Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous sur Gabon News. Tout de suite, les titres de ce journal. Après avoir adopté sa stratégie d'investissement humain, il y a quelques mois, le Gabon va ouvrir les assises sociales ce vendredi. La rencontre ambitionne de poser clairement la question de la lutte contre la précarité et d'évoquer les pistes de solutions. Le thème de cette rencontre, qui est « Pour un Gabon solidaire, changeant de mentalité », a été au centre d'une conférence de presse au centre social d'Akébé en prélude de ces assises. Décédé le 10 avril dernier à 57 ans, le prix de l'intégrité 2010, Grégory Ngouamitsa, a reçu un ultime hommage de ses compagnons de lutte de la classe politique gabonaise. Plusieurs centaines de personnes se sont rendues à ses obsèques qui ont débuté ce mardi matin à 10h. L'émotion et la souffrance d'avoir perdu un Gabonais engagé dans son époque ont rythmé ses moments de deuil. À quelques jours des assises sociales qui auront lieu à Libreville, la ministre déléguée de la Prévoyance sociale, Marie-Françoise Dikoumba, a rencontré la presse pour évoquer des questions essentielles qui seront abordées au cours de ce rendez-vous qui annonce le virage social de l'État gabonais. Un accent particulier a été mis sur la question de la lutte contre la précarité avec le soutien que le gouvernement compte apporter aux Gabonais dans l'espoir que ces derniers reprennent en main les marchés et les métiers contrôlés par les étrangers. Reportage de Samperon Ba et Rufu Itoga. Le Gabon a décidé de faire face à la misère qui touche au moins 30% de sa population. Le virage social du gouvernement est de plus en plus concret avec la stratégie d'investissement humain du Gabon qui vise à réduire les inégalités sociales dans un pays classé 4e en IDH en Afrique avec un revenu moyen par habitant de près de 12 000 $ par an et un taux d'urbanisation de 85%. Mais un pays où la pauvreté est présente et visible. Le chef de l'État ne veut pas mettre en place une politique d'assistanat. Il veut accompagner cette politique d'aide sociale par de l'autonomisation. C'est le devoir de l'État de mettre les conditions nécessaires à la mise en place des activités génératrices de revenus ou au financement de ces dernières. Pour réduire rapidement et concrètement cette pauvreté quasi endémique, les assises sociales vont se pencher sur les mécanismes de création de richesses, d'accès aux minima sociaux et d'amélioration de l'environnement de vie des Gabonais. L'objectif général de ces assises est de jeter les bases de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement humain du Gabon. Le gouvernement a choisi d'engager les Gabonais dans un noble combat, celui de les amener à s'approprier les petits métiers tenus aujourd'hui essentiellement par les étrangers. Il y a plusieurs domaines d'activité dans lesquels les Gabonais sont sous-représentés. Ce que nous souhaitons, c'est que la part des Gabonais soit plus importante dans la prise en charge de ces activités. Les assises sociales débutent ce vendredi avec la participation des leaders mondiaux ayant ouvertement combattu la pauvreté tels que Mohamed Younous, Nobel de la paix en 2006, ou Joachim Chissano, ancien président de la Mozambique. Plus d'un mois après l'incendie qui a ravagé leurs locaux, les handicapés du centre social d'Akébé ont pu être relogés grâce au soutien du Fonds national d'aide et de solidarité. Bien qu'il soit provisoire, on peut dire que ce relogement vient soulager ces nombreuses familles gabonaises affectées par la perte de nombreux biens matériels. Le point dans ce reportage de Philippe Oyaga et Justin Bitégué. Un mois après l'incendie qui les a privés de leur logement et de leurs biens, les familles du centre social d'Akébé ont été relogées dans les bâtiments qui abritaient l'école il y a quelques mois. Grâce à une intervention rapide du Fonds national d'aide et de solidarité, les salles ont été réaménagées de sorte à accueillir les sinistrés. Les autorités du 4e ont décidé et ont proposé qu'il fallait nous mettre là pour le moment. Et avec le concours du FENAS qui était là, ils se sont tous accordés, Madame la Ministre. Voilà, ils ont réaménagé le bâtiment parce qu'il était vraiment inhabitable. C'était vraiment sale, les murs cassés, le plafond abîmé. Mais ils ont refait ça en une semaine. En plus des travaux effectués sur le bâtiment, le Fonds national d'aide et de solidarité a offert de l'électroménager, des gazinières et des congélateurs entre autres. Cela a permis de reconforter certains qui avaient tout perdu. On ne peut pas dire qu'on a tout récupéré. Puisque le thème employé était dit provisoirement, on accepte, on est là provisoirement. Et le FNAS a essayé de compenser en nous donnant des congélateurs que vous voyez ici, des gazinières, pour essayer de nous accompagner et essayer de nous alléger.
Ce relogement serait provisoire, mais personne ne sait pour combien de temps, comme personne ne sait où les familles seront envoyées une fois cette période transitoire sera terminée. Une inquiétude qui n'enlève pas le bonheur d'avoir trouvé pour un temps des logements décents comme ici. Et cette triste nouvelle, la dépouille des leaders de la société civile, lauréat du prix de l'intégrité du Transparency International 2010, Grégory Ngwa Mintsa, a été exposé à l'école publique de Martine Oulabou à Libreville pour un dernier hommage. Pour ses compagnons de lutte, les actions et le combat menés par Grégory ne prendra pas fin car la génération future compte reprendre le flambeau. Les détails, Kenny Ongori, Justin Bitégué. Derrière ces quelques personnes tenant une banderole et ce chanteur de Mvet se trouve le corbillard transportant la dépouille de Grégory Ngwa Mintsa, icône de la lutte contre les inégalités et prix de l'intégrité 2010. Après une longue marche de plusieurs centaines de mètres, c'est l'école Martine Oulabou qui a accueilli la dépouille du héros de la société civile gabonaise. Le leader de la société civile, lauréat du prix de l'intégrité de Transparency International 2010, est décédé le jeudi avril dernier, à 57 ans. L'homme a marqué son temps par son engagement dans la société civile et dans la lutte politique. Et c'est pour un dernier hommage que la dépouille de celui qu'on considérait leader de la société civile a parcouru une partie de Libreville, partant de la maison de pompe funèbre à Martine Oulabou. Il a été accompagné par quelques fidèles pour ce dernier tour de ville. Retrouvant une fois de plus Kenny Ongori et Justin Bitégué. Grégory Ngwa Mintsa s'en va, mais ses collaborateurs et amis de lutte reste pour parachever l'œuvre de celui qu'il considérait comme un martyr et un homme à part. Ce que Grégory vient de nous laisser comme héritage est lourd à imaginer et à concevoir. Vous savez, la vie elle-même est faite déjà d'obstacles, mais lorsque ces obstacles sont doublés du poids d'une conscience citoyenne, ça devient très fort. On peut résumer le sens du combat de Grégory en un seul mot. Liberté. Il ne voulait pas être le successeur ou l'héritier de son père. Il était quelqu'un qui était en avance par rapport à son temps. Et comme je le dis, il ne méritait pas de vivre au Gabon. C'est quelqu'un qui méritait de vivre dans les pays de grande démocratie. L'œuvre de Grégory n'est certes pas achevée, mais la flamme qui reste allumée va être entretenue par ses plus fidèles compagnons pour que triomphe la justice. Il revient aux générations futures, à nous autres qui sommes restés, de faire en sorte que Grégory ne meure pas définitivement. Que cette flamme qu'il a allumée continue à briller. Pour sa famille et ses compagnons de lutte, Grégory restera à jamais une source d'inspiration pour ceux qui tiennent à défendre la cause du Gabon. Il faudra garder de lui cette phrase « Personne ne fera le Gabon à notre place ». Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. À demain.